Et bonjour à tous les amis, on est parti sur une nouvelle petite présentation de Map les amis, j'espère que vous allez bien en ce mardi soir. Cette vidéo là sortira vers les 19h, c'est la ferme bavaroise. Elle est sortie il y a quelques minutes sur KineMod et sur d'autres sites, hein, il n'y a pas de souci. Elle est console, aussi console, et elle fait aussi PC aussi. Donc je la connais pas, hein, je l'ai pas vue non plus en évolution, donc on va aller découvrir ça. Et merci encore une fois aux 951 abos chez à vous, les amis. Donc, comme vous avez pu voir, il n'y a pas eu d'épisode du producteur français. Il n'y en aura que demain, à partir de demain. Les amis, j'ai pas eu le temps trop de tourner. Ça, j'étais regardé 2-3 trucs sur l'ordi. Et puis voilà. Donc, vous inquiétez pas. Donc, on est parti pour une petite présentation de map. Hop. Donc, il n'y a pas beaucoup de champs. Il y a 20, 25, 30, quoi, 26 champs, plutôt pas mal. Donc ça, c'est bien. Ok, hop là, donc, hop. Il y a juste un pack, pardon, il y a juste un pack de mods à charger. Hein, c'est les packs de bâtiments, un pack, donc ça va. Donc ça, c'est fonctionnel, c'est pour les animaux, ouvrir la porte. Ok, ça c'est cool, elles sont pas mal la petite serre qu'on connaît. Là on a un champ. Ok. Hop, non, on va faire comme ça. On a un petit atelier qui ouvre. Ah non, là c'est pas l'atelier. Ok, c'est cool. Donc on peut faire ok le fromage ou le beurre. Ok. Là c'est pour quoi? Là c'est ouf. Là c'est les vaches. 80 vaches, c'est cool. Hop. C'est 15 cool. N'hésitez pas à aller voir les chaînes qui sont en description, les amis. Petit clin d'œil. Aux autres mappeurs. Et youtubeurs. Hein. Tous les liens sont en description. Donc là, ok. Ok. Donc là, on a fait le tour de ce qu'on avait. On va aller voir directement. Directement, les amis. Donc on commence avec tracteur moyen du Jandir. On a la moissonneuse, la voiture, la remorque, la barre de coupe, le cultivateur, le semoir, le pulvé, l'épandeur à engrais, l'épandeur à fumier, la cuvalisier. On commence avec du bon matériel hein, quand même apparemment. La cuvalisier, une faucheuse. Donc voilà. La chargeuse, véhicule. Donc alors la mélangeuse. Et... pour la cuve à lait, pardon, et à eau. Donc, ok, la chargeuse avant et une masse. Donc, on commence avec du matériel déjà de base, c'est déjà pas mal. Donc, là, c'est colza. Tout ce qui est usine, ça fonctionne. Putain, par contre, les champs, par contre, ils sont un peu chers. Ah, quoique, ils sont un peu grands quand même aussi, ouais. Ils sont chers, les champs. 39, 40, 111 000, et là, 118, ok. Ouais, il y a petit truc de ferme, de comment s'appelle, de forêt, c'est plutôt pas mal. Comme ça, on peut évoluer un peu aussi, ceux qui fait, ils aiment faire ça. Hop. Donc là, on a l'atelier. Atelier concessionnaire peut-être. Voilà, magasin. Ok. Là. C'est animé, ça c'est plutôt pas mal. Là, on a un petit point de vente. Plutôt stylé.
on a un deuxième point de vente, et là c'est la boulangerie qui est animée, non? Ah, dommage qu'elle n'est pas animée parce qu'elle a l'air d'être. Alors, faites voir si on fait ça. Ah non, on peut pas ouvrir la porte, c'est dommage. On peut pas aller voir la boulangère. Bonjour. Non, il n'y a personne. Hop. Là, c'est la fromagère. On peut pas aller voir non plus la fromagère, dommage. Donc là, c'est la fromagerie. Hop, donc on a l'atelier pour. On n'a pas l'atelier, pardon, mais le pour refaire le plein des tracteurs. On a une toute petite place, hein. Ok, plutôt pas mal. Là, c'est un objet pour s'envoyer en l'air. Donc les plus grands savent ce que c'est. Et c'est bien. Il commence à refaire tout ça, un peu comme un peu du Castelnau là, à essayer de mettre des petits trucs un peu anciens. C'est plutôt pas mal. Ça change, ça remontre un peu plus. Hop. Donc là, on arrive. Là. Hop. Hop, là-bas, il y a quoi là-bas? Voilà, c'est où qu'on est arrivé, quoi. Ok. Ok, je pense qu'on a. Ah, bah là, il y a un deuxième corps de ferme. Ça doit être les chevaux, peut-être. Hein. Ça peut être les chevaux ou les cochons. Donc ça, je vous laisserai découvrir, les amis. Mais il y a un très beau corps de ferme là. Je vous laisserai découvrir ça, les amis. Là, il y a encore une placette pour faire quelque chose là. C'est des très très grands champs là. On pouvait même mettre une petite usine là. Il n'y a pas de souci. Joli ça aussi, le petit lac là. Ok. Je pense que les amis, on a fait le petit tour. Donc voilà. Donc voilà les amis, on a fait son petit tour de la map. Cette map là sortira vers les 19h quoi. 19h, ouais. Même avant peut-être. Donc voilà, je vous rappelle que ce soir vers les 21h, on sera sur du ETS, les amis, avec Vidoul et Monsieur Cédric. Donc voilà, n'hésitez pas à venir checker ça. N'hésitez pas à aller faire. On a fait le petit système de dons. Donc on a ouvert un compte PayPal, les amis. Donc n'hésitez pas si vous voulez soutenir la chaîne, les amis. Et puis tout ça, donc n'hésitez pas à aller voir tout ça en description live. Et tous les liens, ils sont en description. N'hésitez pas à aller voir les chaînes aussi en description. Et voilà, sur ce, les amis, je vous souhaite une agréable fin de journée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, bye.